rien à signaler. Pas un dragon en vue. Saperlotte de saperlouille. Bon, et toi, Hector, entre dragons, vous avez bien un sixième sens pour vous détecter les uns les autres, non? Sixième sens? Niet, que dalle! Ah, si seulement un village était sauvagement attaqué, on pourrait profiter du désarroi des survivants pour les rançonner. Ah, un village! Hector, envoie les tracts! On va vraiment récolter des clients avec ça? Mais oui, c'est obligé! Eh, hey, offre d'essai demi-tarif pour un demi-dragon, plus un séjour gratuit à l'auberge de Jeanneline en cadeau bonus. Avec ça, on écrase la concurrence! Mais, Guizdo! Oui, je sais, j'ai pas demandé son avis à Jeanneline. Mais elle sera d'accord, c'est sûr et certain. Plus elle a de clients, plus elle est contente! Des clients qui ne paient pas? Tu crois pas qu'elle en a assez avec nous? Oui, mais si eux, ils nous payent, nous, on pourra payer Jeanneline. Et comme du coup, on sera devenus les seuls clients à régler leurs notes, elle voudra plus nous laisser partir, t'as pigé? Non, j'avoue que parfois j'ai du mal avec ta logique, Guizdo. C'est normal, mon grand, cherche pas le cerveau, c'est Bibi. Toshiro, mon fils. Alors, comment étaient ses études loin du royaume? Enrichissante, père. Me voilà diplômé de l'école supérieure des souverains avec mention. Je connais les méthodes dernier cri pour commander un royaume. Oh, ton vieux père aurait pu t'apprendre ça. Justement, non, père. Votre petit royaume sans prétention s'est dépassé. Il faut voir plus grand, lever une armée, mater les peuples voisins, collecter plus d'impôts. C'est donc ça tes méthodes dernier cri. Je n'ai jamais apprécié que tu partes dans cette école, tu le sais, en outre. Allons, père, il faut vivre avec son époque. Il faut prospérer pour ne pas régresser. D'ailleurs, on devrait commencer par éliminer ce fichu dragon qui appauvrit le royaume. Le dragon pluie, mais tu oublies la légende. Le temps des légendes est passé, père. On ne gouverne plus avec des contes pour enfants, mais plutôt avec des armes et de l'or. On a plus d'eau, il faut se ravitailler. Mais moi je veux bien, mais où ça, hein? Il n'y a plus que des déserts dans le coin. Là. Quel temps pourri! Des clients potentiels! Hector, passe-moi un track! Bien le bonjour, les gueux! Aujourd'hui, c'est votre jour de chance! J'ai une offre absolument incroyable pour vous! Tenez, lisez-moi ça! Vous savez lire, n'est-ce pas? Non. Bah, c'est pas grave! La question essentielle est: avez-vous un dragon dans le coin? Oui. Fantastique! Saperlouille! Quel terrible malheur! Et il est où? Là-bas. J'étais sûr que ça finirait par payer, je le savais! Allons, séchez vos larmes, la gueusaille! Nous sommes chasseurs de dragons, vous êtes sauvés! Et ça pour un très bon prix en plus! Sauvés de quoi? Ben, de lui là! Vous savez, les ravages, les souffrances, les orphelins, tout ça quoi! Mais c'est le dragon pluie! Il ne nous ravage pas, il nous protège! Il les protège? C'est n'importe quoi, mais bon, c'est que des bouseux. À mon avis, ils comprennent pas du tout. Il est où votre chef? Bienvenue, honorables étrangers. Monseigneur, nous sommes porteurs d'une sacrée bonne nouvelle. Car vous avez devant vous l'irréductible, le célébrissime Yan Chu, le pourfendeur de dragons. Hein? Et pour vous, mes bons sires, il trucidera la bête immonde qui ravage vos récoltes et terrorise vos gens. Et tout ça pour à peine plus que pas tout à fait cher. Vous êtes trop aimable, mais c'est inutile. Hein? Lui aussi? Ce dragon est tout sauf une menace. Laissez-moi vous conter la légende du dragon pluie. Le dragon pluie veille sur l'île de Naoko depuis des siècles.
C'est lui qui fait pleuvoir sur notre île, alors que tout autour n'est qu'un désert aride. Grâce à lui, nous cultivons le riz et le bambou qui nous permettent de vivre. En échange, il se nourrit de nos cultures, mais nous laisse de quoi vivre. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Incroyable. Ce qui est incroyable, c'est notre manque de bol. Pour une fois qu'on trouve un dragon, on ne nous laisse pas le trucider. Attendez. Cette légende est une tromperie. Oh non, il recommence. La pluie n'a rien à voir avec le dragon. Ce profiteur abuse mon peuple. Ça suffit. Sans ce dragon de malheur, on pourrait se développer, s'enrichir, étendre le royaume. Comment peux-tu ainsi renier la légende? Sors d'ici immédiatement. Bon, alors, vous voulez qu'on le zigouille ou pas, votre bestiole, là? Mon fils a perdu la raison, étranger. Mais soyez sûr que je ne laisserai pas des autres nous quitter sans un cadeau de départ. Ah oui? Riz en poudre, tige de riz bouilli, gruau de racines de riz, et même pas une tranche de gigot. Bonjour, le cadeau. Un bon bol de riz pour le chasseur, et comme un tricot, quand le temps refroidit, au ventre il tient chaud. Ah, voyons ce que le vieux nous a mis comme dessert. Ben voyons, du riz au lait. Ah, j'aurais dû m'en douter. Attendez, ne partez pas tout de suite. T'as pas entendu ce que t'a dit papa, fiston? File dans ta chambre ou bien tu seras privé de riz au lait. Honorable chasseur, j'imagine que les dragons n'ont pas de secret pour vous. Tu l'as dit, mon gars. Dans ce cas, dites-moi, avez-vous jamais croisé des dragons bienfaisants? Non. D'habitude, les dragons, ça casse tout, ça brûle, ça tue, ça fiente sur le linge qui sèche. Il paraît qu'il en existe. Si de tels dragons existent, mon ami, ils doivent prodiguer moult bienfaits. Regardez autour de vous, le dragon pluie nous laisse à peine de quoi manger. Ouais, d'un autre côté, même avec plus de riz dans l'assiette, je n'en ferai pas une orgie, hein. C'est un imposteur malfaisant, vous dis-je. Il a envoûté mon peuple avec cette histoire de légende. Moi, j'ai échappé à son influence car j'étudiais loin d'ici. Je vous en prie, libérez mon peuple de cet animal maléfique. Aidez mon père à redevenir le grand monarque qu'il était autrefois. C'est là mon vœu le plus cher. Vraiment? Et ce vœu le plus cher, vous le chiffrez à combien exactement? 10 000 guignes, c'est tout ce que je possède. Peu m'importe de vivre dans la pauvreté si mon royaume est sauvé. Très bien, on arrondit à 13 000 pour les faux frais et les imprévus. Et l'affaire est dans le... C'est entendu, Toshiro, on va s'occuper de ce dragon envoûteur. Est-ce que je t'aide, moi, quand tu combats? Non! Alors laisse-moi négocier les contrats, chacun son boulot. Il était sur le point de signer pour 13 000. Une noble mission, ça n'a pas de prix. Va donc dire ça à Jeanneline. On peut pas payer notre ardoise, mais tu sais, c'était une noble mission, hein. Appartient à l'espèce des Draconus humidis. Ils vivent toujours dans les contrées pluvieuses, rapport à leur plumage inflammable qui peut cramer rien qu'à cause du soleil. Il est parti, allons-y! Ah, ça c'est sûr, hein, il va pas aller bouser dans les champs. Il aurait trop peur de cochonner son assiette. C'est plein de paille, ça va brûler très facilement. Hector, empile les bouses les plus molles à l'entrée de la grotte. Bonne idée. On se planque dehors et dès qu'il rentre, on fout le feu et il est piégé. Ah, bois de caca pour un nap. Nom d'une bouse de Borbac. Attends Hector, tu vas voir. Ah, c'est ça, tremble, ça va barder mon cochon. Viens ici tout de suite, tu m'entends? Ce n'est pas toi qui lui fais peur, Quizdo. Ça perd, on va finir encore rattrapé. Quizdo, t'as le briquet? Ben voyons, depuis quand un briquet ça tient dans une poche? Alors, on n'a pas le choix.
Mais qu'est-ce que tu fais? T'as l'intention de creuser un tunnel? Si je peux me permettre, Lianchu, tu viens de briser la seule petite chance qui nous restait de l'avoir. Bravo! Ah non! Lianchu, pas correct! Avec le poil et les éclaboussures de bouse, on a vraiment une chance. Gentille, la bébête, d'accord? Pas bouger! Filez, je vous couvre! Eh ben, on peut dire qu'on a eu chaud. Ouais, mais pas aussi chaud que lui. Maintenant, allons exaucer le vœu du petit prince. Il nous refile ses guignes, il sera pauvre, mais heureux. Je vois pas comment c'est possible, mais bon, ça, c'est pas notre affaire. Ah, le ciel s'est dégagé. Y a rien de tel qu'un rayon de soleil pour se sentir revivre. Wisdo, je vois le Saint-Georges. Bah oui, moi aussi, je le vois, gros bêta. Oui, mais on l'avait laissé dans les nuages. Ça ne me dit rien qui vaille. La terre se meurt. Grand Yoshikazu, la terre est en train de mourir et les rizières sont asséchées. Grand Yoshikazu, dites-nous quoi faire. Aidez-nous, grand roi. Aidez-nous. Oh, grand dragon pluie, pourquoi nous as-tu abandonnés? Révèle-nous les raisons de ta colère. Oh, les étrangers? Mais ils ne sont pas partis. Monseigneur, on a oublié le riz au lait. Avouez que ce serait dommage de partir sans. Laissez, votre fils va me montrer le chemin. Fiston, on a rempli notre contrat. Maintenant, à toi de remplir nos poches. Oh, mais bien sûr, je vais chercher la récompense. C'est fou le hasard quand même, hein. On zigouille le bestiau et juste après, hop, il ne pleut plus. Allons bon, vous n'avez pas compris? La légende est vraie, mon ami. Pourquoi pleuvait-il depuis des siècles, d'après vous? Vous voulez dire que vous nous avez embobinés exprès? Il le fallait, pour changer mes paysans inoffensifs en une meute assoiffée de vengeance. Je vais en faire des soldats pour conquérir de nouveaux royaumes et amasser des richesses. Et à propos de nos guignes... Vous ne pensez tout de même pas que je vais vous payer pour avoir affamé mon peuple, hein? Non? Ce mécréant vient d'avouer qu'il a assassiné le dragon pluie. Oh, le dragon!
Comment avez-vous osé faire une chose pareille? C'est le prince de Xar qui lui a donné l'ordre. Non, c'est faux, je ne connais même pas ce gars-là. C'est Toshiro qui nous a demandé d'éliminer le dragon. Il nous a menti sur la légende. Mensonge, punissons-les. Et ensuite, allons punir le royaume de Xar. Il suffit. Mes pères, le peuple réclame vengeance. Je dois d'abord consulter les écrits sacrés. Enfermez-les. On s'est fait avoir. J'ai tué un dragon innocent. Je ne me le pardonnerai jamais. Vous comprenez que je dois vous éliminer, n'est-ce pas? Ça n'a rien de personnel, je veux juste être sûr que notre petit secret disparaîtra avec vous. Fiston! Enfin, je veux dire, oh grand prince, faites preuve de noblesse. On ne dira rien à personne, c'est promis. Youhou, étranger! Youhou! J'ai quelque chose à vous dire. Vous avez l'air content, les nouvelles sont bonnes? Très bonne, en effet, d'après les écrits sacrés, le dragon pluie est immortel, il va ressusciter. Quoi? Ah, tout est bien, qui finit bien. Vous retrouvez votre riz et nous notre liberté. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais c'est quand vous voulez. Il y a juste une petite formalité. Pour le ressusciter, le sang de ses assassins doit couler sur sa dépouille. Le sang? Vous savez, nous sommes que de vulgaires chasseurs, même pas doués en plus, hein. Notre sang n'est pas assez digne pour ça. Allons, père, faisons preuve de noblesse d'âme et laissons-les partir. Je suis sûr qu'ils ne diront rien. Je veux dire, je suis sûr que le dragon n'a pas besoin d'eux pour ressusciter. Les écrits sont formels. Vous serez sacrifiés demain à l'aube. Dragon pluie, puisse le sang de tes meurtriers raviver ta toute puissance. Messire, je suis le seul coupable dans cette histoire. Ayez la bonté d'épargner mes compagnons. Je veux bien te sacrifier d'abord. Si le dragon pluie ressuscite, alors je libérerai tes deux compagnons. Mais si ça ne suffit pas, je n'aurai pas d'autre choix que de les sacrifier eux aussi. Père, pouvez-vous m'accorder l'honneur d'être le bras vengeur du dragon pluie? Qu'il en soit ainsi. Je suis fier de toi, fiston. Écoute, je n'ai aucune envie de voir cette sale bête ressuscitée. Alors voilà, je fais semblant de manquer mon coup. Et tes amis et toi, vous fichez le camp. On est tous gagnants. Vous, vous sauvez votre peau, et moi, je sauve mon plan. C'est d'accord. Maintenant, les menaces. Messire, je suis prêt à mourir pour mon crime. Il est fou. Mais d'abord, Toshiro doit avouer le sien. Mais c'est pas ce qu'on avait dit. Allez, à vous. Non. D'accord, j'avoue. C'est moi qui ai tout manigancé. Mon fils. Maintenant, tu peux donner mon sang au dragon. Vous allez me le payer tous les trois. J'ai rien fait, moi. Alors le dragon plus savait depuis le début que Toshiro était le vrai coupable. Père! Mon fils, tu n'es qu'un vil renégat, mais mon cœur pleure de te perdre. Sa perlotte, s'il le zigouille, alors adieu les guignes. Oh, dragon pluie, ô symbole de générosité, épargne le fils indigne de ton souverain. Ta grandeur n'en sera que plus... grande. Oh!
Je vous dois la vie. Merci de votre générosité. Voilà, attends un peu, fiston, hein. J'ai pas fait ça pour la gloire, moi. Alors, à bout de l'aiguille, ou sinon je dis au dragon de changer d'avis. Il vous a encore menti, étranger. Il n'y a pas une seule guigne dans tout le royaume. Quoi ? Nous ne sommes pas riches en or, mais seulement en respect, en tradition et en sagesse. Dans ce cas, mettez-moi 2 kilos de sagesse, parce que là, je sens que je vais devenir carrément mal poli. Écoutez, en contrepartie, vous allez recevoir notre bien le plus précieux. Ah ? Un immense sacrifice pour notre peuple. Des bijoux ? Des pierres précieuses ? Votre poids en riz ! Ah ! Oh, étranger. C'est un trop beau présent, messire. Ça lui a fait un choc. Hey, pas si vite, j'ai pas l'habitude, moi. Pas de bouffe, Yoli ! Tu crois que Jeanne-Line voudra bien se faire payer Henri ? Il y en a bien pour 6 mois de loyer là-dedans. Mais oui, si Hector en laisse, bien sûr. Qu'est-ce qu'a fait Hector ? Nien de bouffe ! Mettons que 3 onces de riz égale une journée de loyer. 3 fois 180 divisé par 2, je retiens 1, ça donne... combien ça fait ? Hein ?